Oh là 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 là, mais j'aime pas faire ça! Fais attention à toi, ça bouge beaucoup quand même là, à l'échelle! Pourquoi il me demande de le faire? Lavez-les vite, c'est bien, j'aime pas, hein! Allez! Mais attention, hein! Tiens l'échelle, s'il te plaît! Ok! Non, descends! Descends vite! Retiens-moi! C'est trop dangereux! Non! Oh, ma tête! Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Fais fatigue! Esteban, vite, viens, dépêche-toi! Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ça tourne! Ah, t'es qui, toi? Ah, mais là, je suis Valentin! T'es moche! T'es sûr que tu vas bien? Qui êtes-vous, monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'entends crier comme ça? On m'appelle! Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça allait bien. Là, je suis dans la chambre de Lily Rose parce que j'ai perdu un pari contre elle. Je dois ranger sa chambre, voilà. Donc, voilà, j'étais en train de la ranger tranquillement. Et là, j'entends crier dans le patio. Je vois Peppa Pig par terre. Oh, j'espère que c'est pas trop grave. De toute façon, quand ils sont à deux, Valentin et Peppa Pig, ils font tout le temps des bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ma tête! De quoi ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait avec lui? Regarde l'échelle. Tu vois, là, cet échelle. Il est monté dessus pour nettoyer les vitres. Il est tombé. Tu l'as laissé monter sur une échelle? Bah oui, il m'a dit que ça irait. Non, mais tu sais très bien qu'il a pas d'équilibre. Ah bah je savais pas. Il ne sait pas monter sur une échelle. Vous avez une drôle de tête, vous. Vous êtes qui? Peppa Pig. C'est qui Peppa Pig? Mais tu vois pas qu'il y a un problème là? Ah si, bah tout à l'heure il m'a appelé. Non, mais il reconnaît même pas son nom. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Bon les amis, je pense que j'ai démarré une vidéo au bon moment, il risque de se passer des trucs de fou. Peppa Pig. Qu'est-ce que je fais ici? Tu es où? Ah là 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 là. On habite dans quel pays? On est en Espagne. Oh là là, ça va pas l'Espagne. On est en France, Peppa Pig. La France, c'est quoi la France? Non non, attends, te lève pas. Ouh, le vertige. Il y a quelque chose de cassé. Oh là là, à mon avis, il s'est passé un problème dans sa tête, il a perdu la mémoire, tu te rends bien compte? Ah, je m'en rends compte. Non mais il sait même plus où il est, il sait même plus comment il s'appelle. Bon allez, moi je dois rejoindre ma boulangerie, hein. J'ai du pain à faire. Bah oui, je suis boulanger. Mais non, t'es pas boulanger, Peppa Pig. Ah non, non, charcutier. À moins que je sois peintre. Oh, je sais plus. Il a tout oublié. Là, les amis, il faut appeler un médecin de toute urgence. Attention. C'est quoi? Une panthère. Mais c'est pas une panthère, c'est un chat. Une mini panthère. Ah, j'ai peur. Bon, écoute, bon, je pense que là, il veut se lever. Oula, on va le mettre dans un lit. Retenez-moi. Les amis, on va le mettre dans un lit et on va appeler les médecins, on va appeler tout le monde et on va essayer de lui faire retrouver sa mémoire. Un médecin, pourquoi faire? Un médecin, ben non, mais il n'y a pas besoin de médecin. Qui a parlé d'un médecin? Bon, allez. Allez. Est-ce que vous avez un verre de lait, s'il vous plaît? Non, mais c'est l'heure de la sieste. La sieste? Ouais, la sieste, c'est l'heure. C'est l'heure, oui. Bon, les amis, c'était déjà arrivé une fois à Peppa Pig de perdre la mémoire comme ça. Il s'est souvenu de rien pendant plusieurs mois. C'est l'enfer. Il se souvient même plus qu'on est ses enfants. Il se souvient même plus de nos prénoms. Il se souvient même plus de sa famille. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Allez, maintenant, faut aller dans le lit. Qu'est-ce que tu fais? Il faut aller dans le lit. Il se prend pour un oiseau. Oula, il se prend pour un chat maintenant. Oula. Ça va, Peppa Pig? Un chat ou c'est un chat? Oula, non, mais là, vraiment, dans sa tête, ça va plus du tout. Faut qu'on voit un médecin tout de suite pour lui. Faut qu'on ramène un médecin. Bon, reste dans la chambre, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Fatigué. Bon, surtout, Valentin, il faut que tu le surveilles. Ouais, t'inquiète pas. Reste à côté de lui, parce que s'il se prend... S'il se prend pour une poule et qu'il décide de s'envoler... Ah non, faut pas gâcher. Il est capable de passer par la fenêtre. Bon. Miaou. Oula, il se prend pour une poule et un oiseau. Va vite voir un médecin, Esteban, parce que c'est urgent. Là, les amis, chez vous, vous devez être mort de rire, sauf que pour nous, il n'y a rien de drôle. Parce qu'il est capable de rester bloqué comme ça pendant plusieurs mois. Bon, je vais aller chercher un médecin. Oula, ça va? Ça va? Non, il se prend pour du chocolat. Il se prend pour du chocolat. Mais comment on peut se prendre pour du chocolat? C'est même pas vivant. Bon, les amis, je vais aller chercher un médecin au plus vite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les médecins sont fermés. Ils sont tous partis en vacances. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Heureusement que Valentin est là pour le surveiller. Parce qu'un truc comme ça, il est capable de s'enfuir et de faire le fou dans toute la ville. Il y a un problème. Je suis entré chez le médecin, donc là je suis dans son cabinet, voilà, comme d'habitude. Sauf que le médecin n'est pas là. J'ai essayé de lui téléphoner, il n'est pas là. Son cabinet était fermé, mais bon, je suis quand même rentré à l'intérieur, c'était ouvert. En me disant peut-être qu'il est en train de dormir, parce que ouais, notre médecin, il n'est pas très bon. Du coup, il n'a pas souvent des patients.
Sauf que là, rien, il est pas là, à mon avis il est parti en vacances. Du coup je ne sais pas comment je vais faire, là c'est très très... Ah, attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô Valentin? Ça se passe bien avec Peppa Pink? Oh, c'est pas vrai, il s'est enfui. Mais comment c'est possible? Je t'avais demandé de le surveiller, comment il a pu s'enfuir? Oh, t'es allé aux toilettes et il en a profité pour s'enfuir. Mais tu te rends compte, dans l'état dans lequel il est, s'il va dans la rue, les gens vont le prendre pour un fou, il va se faire arrêter par la police. Oh, ok, ouais, j'arrive tout de suite. De toute façon, le médecin est pas là, il peut pas le recevoir. Oh, ok, bon les amis, comme vous l'avez entendu, Peppa Pink s'est enfui de la maison parce que Valentin ne l'a pas surveillé, il est allé aux toilettes au lieu de le surveiller. Sauf que là, ça veut dire qu'il est dans la rue, totalement fou. Oh, qu'est-ce qui va se passer? De retour à la maison, ça y est. J'ai couru sur la route, là, comme j'ai pu, pour être le plus vite ici. Valentin, t'es où? Je suis à Ah, t'es là. Bon alors, tu l'as toujours pas retrouvé? Désolé, mais vraiment, je suis parti 2 secondes et il est parti. À ce moment-là. Non mais fallait, on pas, a profité. Fallait le surveiller, fallait pas aller aux toilettes, fallait pas faire je sais pas quoi. Oui bah je m'attendais pas à ça. Tu te rends compte que là c'est un, on a lâché un fou dans la nature. Bah faut qu'on le retrouve. C'est bah tout. Oui, faut qu'on le retrouve, on n'a pas le choix. Si c'est pas nous qui le retrouvons, c'est la police qui va le retrouver parce qu'il se prendra pour une poule en plein milieu de la route ou parce qu'il s'amusera à faire le singe dans, sur la route comme ça, à monter sur des voitures. C'est pas possible. Le médecin, bon. Il est vraiment pas là du coup. Mais non, il est pas là, le médecin, il est parti en vacances. Je suis allé dans son cabinet, c'était ouvert, mais personne à l'intérieur. J'ai tout filmé de toute façon. Ils ont tout vu. Et Lily Rose, elle est introuvable. Je devais ranger sa chambre, bon bah tant pis, ça attendra. Bon, écoute, t'as fouillé toute la maison? Oui, j'ai déjà fouillé toute la maison. Ok, bon, si t'as fouillé toute la maison, c'est qu'il est parti. Dans sa folie, il a dû partir dans la rue, tout ça. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher autour de la maison. De toute façon, dans l'état dans lequel il est, il peut pas monter dans une voiture, il peut pas conduire, il peut pas prendre le train, donc il doit traîner dans les rues autour. Non mais les voisins vont nous prendre pour des dingues encore une fois. Bon, allez, à tout de suite, on va aller regarder dans la rue. C'est bon, on l'a retrouvé. Enfin, ça va, on n'a pas eu à marcher trop longtemps, il était juste dans la rue d'à côté. Bonjour monsieur, c'est encore vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, t'es encore là toi aussi? Ah bah oui, et vous, qu'est-ce que vous faites mais... Et vous n'avez rien à faire ici, c'est chez moi là. Non, 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 bon, allez, on est dans la rue. Non, 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 non. On t'a vu faire la poule. On t'a vu faire la poule. Une poule? Mais oui, on t'a vu faire la poule, Peppa Pink, t'as perdu la mémoire. Oula, il est en train de s'enfuir, restez là. Oh, il est en train de s'enfuir en faisant la poule. Bon, les amis, ça doit être très drôle pour vous. Moi, sauf que. De quoi? T'es qui d'ailleurs? Non, mais moi je rigole pas. Mais si, t'es en train de rigoler. Et toi, tu me moques de moi? Non, je me moque pas de toi. Hein? Pic, arrête. Oh, c'est grave. Oui, bon, là je suis un peu désespéré. Bon, il va falloir qu'on le ramène à la maison et qu'on l'enferme dans une chambre parce que sinon ça craint vraiment. Bon, allez. Et de toute façon, tout à l'heure on va aller à l'hôpital. Hein, pas carrément. Un petit verre de terre là dans oui, ta non, poche. Non, tu vas pas manger des verres de terre. Allez, non, non, viens. Lâchez-moi. Allez, viens ici. Viens, finis les bêtises. Bon, les amis, on va rentrer à la maison. On va réunir toute la famille. On va l'enfermer dans une pièce. Et qui êtes-vous, monsieur? Oui, bah moi je suis votre médecin justement. Médecin, voilà, oui, oui, non, mais parce que là vous êtes un peu en train de... Oui, non, mais tout va bien, mais on va juste faire une petite consultation pour vérifier. Ciel. Oui, quel beau ciel. Bon, allez, on rentre. Bon, les amis, on rentre à la maison tout de suite. J'espère. C'est chez moi? Oui, c'est chez vous. Allez, à tout de suite. C'est bon, on est rentré avec Peppa Pink. Oh, je suis fatigué. Oui, il est fatigué. J'en ai profité pour appeler l'hôpital. Popite, même. Je sais pas pourquoi j'ai ce terre-là en tête. Ouais, bon, il commence à se souvenir de quelques trucs. Il s'est souvenu de Lily Rose, etc. Donc ça va, les amis. Oui, non, mais t'inquiète pas. En tout cas. L'hôpital nous a dit d'attendre 1 ou 2 heures, que ça devrait aller mieux d'ici ce soir. Mais bon, ça va, hein. Alors, on est dans quel pays? Un pays, c'est quoi un pays? Ah oui, bon, ça va non, ça va pas encore. Bon, écoute, Peppa Pink, on va pas te laisser tout seul, regarde. C'est qui Peppa Pink? Il y a lui qui te surveille, hein. Oh non, je veux pas, lui, j'aime pas. Si, regarde. Ton meilleur ami, c'est le médecin. Lui, c'est un médecin, d'accord? Oh, je vais faire... Vous examiner. Il est un peu fou, lui, hein, je trouve. Oui, non, mais t'inquiète pas. Lui, bon, avec ses lunettes. Fais attention au médecin, surtout. Il a fièvre. Allez, fais attention au médecin. Jérémy, il s'appelle Jérémy. Oui, il s'appelle Jérémy, le médecin. Bon, reste avec Jérémy, le médecin. Bon, nous, en tout cas, on l'enferme dans cette pièce. Ouais. Comme ça, il ne peut plus sortir.
Et parce que là, il nous a donné une frayeur hein, quand on l'a vu faire la poule dans la rue. Enfin bref, les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Et surtout, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Allez voir une vidéo qui apparaît sur votre écran. À la prochaine, ciao.